peut décider pour la culture africaine. Quand on parle de culture, on parle d'une parcelle sans limite. On parle d'une parcelle qui n'a pas de propriétaire. On parle d'une parcelle qui n'est pas lotissée. On parle d'une parcelle qui n'est pas acculturée. La culture, c'est l'universelle vie. Donc, il y a deux choses qui nous lient à Dieu. Après, Dieu, sur sa gouvernance, sur l'être qu'il a créé, c'est la culture qui prend la place. Donc, plus proche de Dieu, c'est la culture. C'est pour ça que j'ai dit en début, de la culture est sortie la politique. De la culture est sortie la religion, de la religion est sortie la politique. Donc la culture n'a aucunement cette possibilité d'être détenue par quelqu'un pour le diriger. Quand on veut diriger, ça veut dire qu'on veut façonner. Quand on veut façonner, on veut modifier. Si on veut modifier, ça veut dire qu'on veut le faire en bien ou en mal. Mais chaque personne naît avec sa culture et son identité. Nul ne pourra changer pour l'autre. On ne peut que faire des échanges. Mais on ne peut pas s'accaparer de l'un pour être le décideur de la culture. Les cultures sont vecteurs de notre tradition. Les traditions sont presque les mêmes. C'est les codes qui changent. Donc, on ne peut pas s'approprier de la culture de quelqu'un et lui faire dépendre de toi ou de ceci ou cela, c'est pas possible. Non.